Ok, salut tout le monde. Je vois qu'il y a quelques messages là sur Lilou, Manon, qui n'ont pas de balles de tennis. Enfin, alors, il faut des balles, n'importe quelle balle, c'est pas forcément des balles de tennis, mais on va faire des exercices où il y a des rebonds sur les murs. Donc, si vous n'avez pas de balles, enfin, qui rebondissent pas, ce sera difficile. Sinon, après, il y a pas mal d'exercices juste de transmission. Ça peut être deux objets un peu mous, hein, sinon. Ça peut être deux bonnets, deux morceaux de tissu, des chaussettes, d'accord. Mais par contre, vous serez coincé sur les exercices où on demande du rebond. Donc voilà, trouver deux balles chez vous qui rebondissent quand même ou quelque chose que vous pouvez manipuler. Ok, on travaille sur. Donc le compteur sera à 1 minute de travail. On travaille toujours en 45 secondes de travail, 15 secondes de repos. C'est pas exigeant physiquement, d'accord? Ça demande juste coordination, dissociation. On travaille la relation œil-main. Voilà, donc faut de la concentration quand même. Le premier exercice, donc c'est juste lancer la balle, taper avec son biceps, la ramasser. Donc je tape la balle avec mon biceps et je la rattrape derrière. D'accord? Je fais ça que main droite. Ok, pendant 45 secondes. C'est bon, je ne dois pas la faire tomber. Ça roule, donc je lance, je frappe avec le biceps, je la rattrape. Ça marche? Attention, ça part au top. Top, c'est parti. 45 secondes. Ok. Si vous faites tomber la balle, parce que là c'est plutôt facile, ce sera 5 pompes à chaque fois. Ok, on continue. On n'est que main droite, hein. Je lance, je frappe avec le biceps, je la rattrape. Je suis rapide sur la trappe, d'accord? Ça ne doit pas tomber par terre. Ok, c'est plutôt pas mal. Ok, on essaye d'être fléchi, d'accord? Pas trop raide. On frappe avec le biceps, pas avec l'avant-bras. Ok, repos. Le suivant, ça va être la même chose, main gauche, d'accord? Donc je lance, je frappe avec le biceps, main gauche, je rattrape la balle. Ok, je l'attrape avec la main gauche. Ok, c'est parti, top, main gauche. Ça ne doit pas tomber, d'accord. Par contre, ça peut aller à gauche, ça peut aller à droite. Il faut être rapide sur la trappe. Ok, on n'essaye pas de l'envoyer trop, d'accord. On frappe la balle. On la rattrape tout de suite sans l'envoyer trop. Donc je frappe avec le biceps ou l'intérieur du coude. Pas avec l'épaule, Albin. Avec le biceps. Là. Cette partie-là, là. Hop. D'accord? Ok, repos. Ok, le deuxième. Ça va ressembler, d'accord? Je lance en l'air, je frappe avec le coude. D'accord? Donc là, j'envoie la balle au niveau de mon épaule. Je frappe avec le coude, je la rattrape. D'accord? Ça marche, c'est parti. 45 secondes. Je frappe avec le coude au niveau de mon épaule. Et je la rattrape. Toujours avec que la main droite. Je lance main droite, j'attrape main droite. Je monte le coude au niveau de mon épaule. D'accord? C'est un exercice qu'on fait avec les gardiens aussi, ça. D'accord? Donc souplesse au niveau de l'épaule. Et puis la relation main-œil. Pour la trappe. Puis j'essaye d'être agressif sur la façon d'attraper la balle. Ok, il faut lancer avec la même main. Lance main droite. Ouais, c'est ça, Thomas. Lance main droite, attrape main droite. Repos. Ok, le suivant, c'est le même. Je lance main gauche. Je tape avec le coude gauche. Je rattrape avec la main gauche. Ok, j'envoie la balle à hauteur de mon épaule. Ok, c'est parti, 45 secondes. Go! Qu'est-ce qu'il y a, Lilo?
T'as pas de balle. Je sais pas ce que tu fais. Mets un message, il y a Guillaume qui va pouvoir te répondre. T'as perdu ta balle. T'as cassé le mur. Ok, on lance, on frappe avec le coude au niveau de l'épaule. On rattrape sa balle. Ok, je vois que Gianni, t'as qu'une seule balle, c'est pas très grave. Tu pourras adapter les exercices. Là, pour l'instant, ça gêne pas. Ok, repos. Le suivant, sur le même principe, je lance la balle, je frappe avec la jambe droite, j'attrape la balle. Lance, j'attrape, je suis rapide. Ok, go, c'est parti, 45 secondes. Ok, je tape pas trop fort pour pas que ça monte trop. D'accord, si ça monte trop, ce sera trop facile à attraper. Donc c'est quoi le problème pour Lilo? On sait pas, Lilo, on comprend pas. Ok. Donc la balle, en fait, on la lâche. On vient la frapper avec le genou et on rattrape avec la main. Ah, il voudrait parler. On peut pas parler, Lilo. Écris-le. Ok, on va passer main gauche, jambe gauche. Ok, c'est parti, go! Main gauche, je frappe avec la cuisse, j'attrape avec la main gauche. Faut pas que ça harmonise trop, hein, Sacha, sinon c'est trop facile. Regarde la balle, moi, elle reste quasiment à hauteur de mon genou, hein. Comme ça, je fais l'effort de l'attraper. Si elle rebondit à 1 mètre au-dessus, c'est sûr que c'est facile de les attraper. Ok, repos. Et puis le dernier sur cette série-là, d'accord? Ceux qui n'ont qu'une balle ne pourront pas le faire. C'est pareil, ils font avec une seule balle. C'est les deux balles en même temps. Je frappe avec les biceps, d'accord? Les deux balles en même temps, je frappe, j'attrape mes balles. Ok, c'est parti. Essayez pas de regarder les balles, essayez de regarder devant vous. Puis avec la vision périphérique, vos mains vont les attraper. Ou pas. Allez, Ellie. Donc là, tout ça, c'est des petits exercices très simples hein, à mettre en place. Mais on travaille la coordination main-œil, qui est très importante chez nous. Ok. Repos. Je vous montre l'exercice suivant. Donc l'exercice suivant, on va être en position fléchie, d'accord? Donc je suis très fléchi, quasiment assis, d'accord? Une seule balle. J'ai ma balle main droite, d'accord? Je passe derrière ma jambe droite et je l'attrape devant, d'accord? Donc je passe derrière, je la lance, je l'attrape avec la même main. Je passe derrière ma jambe droite, je l'attrape devant ma jambe droite. C'est bon? Tout le monde a compris? Donc bien fléchi. Je saute pas, je passe derrière ma jambe droite, je l'attrape devant ma jambe droite. De l'arrière vers l'avant. Ok, c'est parti, 45 secondes, go! Donc pareil, la balle, je la lance pas trop, d'accord? Non, c'est pas ça, Alessandro. Tes deux pieds, ils restent collés. Regarde la vidéo. Les pieds sont collés, mes pieds bougent pas. Je passe la main derrière. Et j'attrape la balle entre mes jambes.
et je lève pas ma jambe ici là. De l'arrière vers l'avant, je lance pas la balle trop haut. Elle doit rester en suspension. Et je l'attrape devant moi. Bien fléchi, le dos droit. Ok, repos. Le suivant, c'est main gauche. Je passe derrière ma jambe gauche. Je lance, j'attrape. Mon dos, il est droit. Je suis pas penché comme ça en avant. Mon dos, il est droit. J'attrape la balle. Je la lance pas trop haut. J'essaye d'être rapide. Allez, c'est parti, Hugo. 45 secondes. Fléchi. Main gauche. Je passe derrière ma jambe gauche. Je le rattrape avec la main gauche. Ok, repos. Le troisième. Donc, la balle dans la main droite. Je suis fléchi. Là, je vais passer devant. D'accord? Donc, devant. Je vais en dessous de ma jambe gauche. Je lance en l'air. Je rattrape derrière. Pardon, je remonte. Donc, là, je passe de l'avant vers l'arrière. Au-dessous de ma jambe gauche. Et je rattrape la balle. Je l'attrape et je la lance avec la main droite. C'est parti, 45 secondes. Je lance, j'attrape avec la main droite. Alessandro, il faudrait que tu regardes les vidéos. C'est au-dessus de la jambe gauche. Avec la main droite, au-dessous de la jambe gauche. Main droite, au-dessous de la jambe gauche, d'en avant en arrière. Main droite. Au-dessous de la jambe gauche, de l'avant vers l'arrière. Et je rattrape avec la même main. Ouais, mais pas trop par contre, Alessandro. Pareil, il faut que tu regardes les vidéos. Regarde à quelle hauteur je le lance. Ça reste à hauteur de mon genou. Si je le lance à 2 mètres en l'air, c'est sûr que c'est trop facile. Ok, on inverse. La balle dans la main gauche, d'accord? Je vais passer sous ma jambe droite. Je lance la balle, je l'attrape. Pas trop haute. Je lance la balle, je l'attrape. Donc Alessandro, regarde là. Je lance à cette hauteur-là pour l'attraper. D'accord? Ok, c'est parti. Go, 45 secondes. Fléchis. Que avec ma main gauche. Je passe sous la jambe droite. En restant fléchi. Ok, repos. Ce compte deux balles. Vous prenez deux balles, d'accord? On est sur la suite. Donc, je suis en position. Je vais passer derrière vers l'avant, d'accord? Donc, je lance main droite par l'arrière au-dessus de ma jambe droite, main gauche au-dessous de ma jambe gauche. Et j'alterne, d'accord? De l'arrière vers l'avant, j'alterne main droite, main gauche. C'est parti, 45 secondes. Les balles, elles vont pas trop hautes. Elles restent au niveau de mes genoux, entre le genou et le bassin. Je reste fléchi. Je me relève pas. Non, c'est derrière en avant, Terry. Je passe derrière ma jambe, je lance devant. Derrière en avant.
Je suis rapide avec mes mains pour attraper la balle, donc je la lance pas trop. Ok, repos. Et là, on fait l'inverse. Donc, je suis fléchi, main droite, au-dessous de la jambe gauche, main gauche, au-dessus de la jambe droite. D'accord? Hop là. Je vais remontrer. Donc, la main avec la jambe opposée, d'avant en arrière. Ok, c'est parti, 45 secondes, go. Allez Albin, c'est parti. La main droite au-dessous de la jambe gauche, la main gauche au-dessous de la jambe droite. Je lance pas trop haut pour m'obliger à être rapide sur la trappe. Ça m'oblige à augmenter la mobilité du tronc, d'accord? Aller chercher à gauche et à droite. Ok, repos. On va finir par des petits jeux. Le premier jeu, une seule balle. Il vous faut un objet qui rebondisse, d'accord? Donc je vais tenir ma balle devant moi, je vous montre de profil. Je tiens la balle ici, je vais lâcher et je dois la rattraper avant le deuxième rebond, d'accord? Là c'était un peu facile. Ça marche? Il ne doit pas y avoir deux rebonds, un seul rebond, je peux attraper la balle. Le maximum de fois en 45 secondes. En place? Donc le bras, vous le tenez à peu près à hauteur de vos épaules, entre les épaules et puis le nombril. Je lâche, demi-tour, j'attrape la balle. Ça va dépendre du rebond que vous avez. C'est parti, 45 secondes, go! On compte le nombre de fois où on le fait. Alors on lâche la balle, hein. On lui donne pas un rebond. Eh non, sinon c'est trop facile ça, Alessandro, pareil. D'accord, je lâche la balle juste, qu'elle rebondisse bas. Parce que si je la lance fort, bah, c'est trop facile. J'ai le temps de tourner trois fois. Donc c'est à vous de mesurer la difficulté, ça va dépendre du rebond de votre balle, de la dureté du sol, si vous lâchez ou pas. Moi ce que je veux, c'est qu'il n'y ait qu'un seul tour. D'accord, donc pareil Sacha. Mets-toi très proche du sol si le rebond est très grand, d'accord? Très proche du sol pour être très rapide, d'accord? Très proche pour avoir un rebond bas et aller chercher bas. Pardon, repos. Repos. Maintenant, on va tourner dans l'autre sens, d'accord? Là, vous tourniez dans un sens, logiquement le sens le plus facile pour vous, d'accord? Là, on va tourner dans l'autre sens maintenant. Donc, je répète. L'idée, c'est qu'il n'y ait qu'un seul rebond, d'accord, et que ça rebondisse bas. Je peux mettre la balle à ce niveau-là pour que ça rebondisse plus bas. C'est sûr que si je la lance comme ça, ça va être facile, d'accord. Donc c'est à vous de gérer la difficulté pour que ce ne soit pas impossible, mais pas que ce soit trop facile. Ok, c'est parti, 45 secondes, je tourne dans l'autre sens. Allez Sacha, on a changé de main, on a changé de sens, normalement ça doit être plus dur dans ce sens là, si c'est pas votre sens naturel. Ok, repos. Ça marche. Pour regarder de quel côté vous avez fait le mieux. Là, maintenant, il nous faut un mur. Donc, je vais lancer. Je lance main droite, d'accord, sur le mur. Et je vais attraper la balle dans mon dos. D'accord, donc ça donne ça. Je lance la balle ici. Je l'attrape dans mon dos.
Ok? Et on compte le plus de fois. Donc je lance un peu sur le côté, je l'attrape dans mon dos. Ça marche, c'est parti, 45 secondes, go! Faut pas lancer trop fort. Alessandro, faut pas bouger dans tous les sens, d'accord? Faut être stable. J'ai juste à bouger mon tronc pour aller chercher la balle. Je lance, je bouge mon tronc. Mes pieds bougent pas dans tous les sens. Je lance, je bouge mon tronc. Je vais chercher avec ma main à gauche de mon corps. Pas trop, d'accord? On lance assez directement. Je suis en train de regarder s'il y en a qui arrivent bien. Ah, genre. Axel. Non, faut te mettre face au mur, Axel. Ok, repos. Plus dur. Enfin, pour moi, c'est plus dur. On lance main gauche et on attrape dans le dos main gauche, d'accord? Donc moi, j'y arrive pas trop. Parce que je lance moins bien que ma main gauche. Je lance main gauche, j'attrape main gauche. Allez go, c'est parti. Ok, moi mon record il y a 4. 4 d'affilée. Oula, j'en vois pas beaucoup qui arrivent. Ah, Alessandro, une fois, c'est bon. Sacha, une fois, super. Deux fois. Ah, deux fois. Ok, repos. Je reprends mes deux balles, d'accord? Les deux balles face au mur. Je lance les deux balles, j'attrape les deux balles, d'accord? Bon, là, après avoir attrapé dans le dos, c'est plutôt très facile. C'est bon? En place, c'est parti. 45 secondes. Je lance les deux balles, j'attrape les deux balles. Je lance pas trop, d'accord? Ça doit pas être trop lent pour revenir. Je lance, j'attrape. Donc je lance à hauteur de ma poitrine, de mes épaules. Je suis pas trop loin du mur. Je peux lancer à des hauteurs différentes chacune des balles, d'accord? Pour faire de la dissociation. Et j'attrape en étant agressif, d'accord? Les paumes vers le bas. J'attends pas que les balles me tombent dans les mains. Je suis agressif pour aller les attraper. Par contre, je peux lancer avec paume vers le haut. Ok. Ça, c'était facile. Le prochain, il est plus dur. D'accord. Le prochain, donc, je ferme mon poing. D'accord. Et je vais devoir taper dans la balle le plus de fois possible avec un rebond. Avec le poing fermé. Ok. Là, je suis à 4. Donc, point fermé. Je dois taper dans la balle pour qu'elle rebondisse le plus de fois. C'est parti, 45 secondes. Prenez votre main forte. La main droite si vous êtes droitier, main gauche si vous êtes gaucher. Ok, donc vous avez compris, hein, faut plutôt essayer de taper haut. Sinon, si ça revient trop bas, vous pouvez pas y arriver. Ok, repos.
Il nous reste 4 minutes. Petit exercice de dissociation. Je mets les mains en l'air, d'accord? Avec balle ou sans les balles, c'est pas très grave. Ma main gauche, elle va partir vers l'avant, d'accord? Ma main droite, elle va partir vers l'arrière. Ok? C'est parti, go, 45 secondes. La main gauche vers l'avant, la main droite vers l'arrière. Voilà. Alors, c'est pas les deux mains en même temps, d'accord? C'est une main qui part devant, une main qui part derrière. On fait pas du crawl, d'accord? C'est pas du crawl. C'est dissocié. Ok, je le fais doucement là. Dissocié. Ok, repos. L'autre, c'est l'inverse. D'accord? Donc là, main en haut. Ma main droite va partir vers l'avant. La main gauche va partir vers l'arrière, d'accord? Et je dissocie. Ok, c'est parti. 45 secondes. Main droite vers l'avant, main gauche vers l'arrière. Ouais, c'est ça, Albin. Ok. Oliver, c'est pas mal. Manon, c'est pas mal. Lucas, je vois pas tes mains. Terry, voilà, pour réfléchir un petit peu. Hein. Ok, Obi, c'est pas mal. Super. Ok, Tristan, ça part un peu trop sur les côtés. Ok, repos. On a fini la petite séance, donc c'était une séance spécifique là. Mobilité du haut du corps, qu'on n'a pas fait souvent avec vous pour le moment, et qui est importante. D'accord, vous avez pu voir sur beaucoup d'exercices, c'est pas facile. Ça demande de la coordination, ça demande de la dissociation, ça demande d'être à l'aise avec ses mains et avec son œil. D'accord, donc c'est toutes des petites choses de préparation physique qui sont intéressantes pour compléter le jeu de hockey. Ça roule, il y a Mika qui revient. Il vous faut deux palets, d'accord? Le temps que je lui donne le micro. Ceux qui n'avaient pas de balles, là, prévoyez de racheter deux balles de tennis. Ça coûte 2 euros pour tout le temps avoir des balles de tennis. On peut faire plein de petits jeux avec. Vous pouvez refaire les exercices qu'on vient de faire. Voilà, bon, en tout cas, c'est un achat nécessaire d'avoir une balle de tennis ou deux balles de tennis chez soi. Ok, je vous dis au revoir à vendredi pour les U14 pour la théorie. À samedi pour les U12, les U13, les U14 et les gardiens. Ciao !